Fidèles téléspectateurs, recevez nos salutations. La roue vous accueille aujourd'hui dans le chef-lieu du département du Mayo-Tchanaga à Mokolo. La roue, vous le savez très bien, c'est votre web émission qui donne la parole aux jeunes qui œuvrent au quotidien dans l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Nous avons encore en mémoire les premiers attentats suicides sur le sol camerounais il y a quelques années. Ces événements ont remis au goût du jour la collaboration entre autorités et jeunes ou entre administration et société civile. Conscient de pouvoir, ayant l'objectif de pouvoir combattre l'extrémisme violent, le Global Center on Cooperative Security a lancé un appel à projet pour pouvoir donc implémenter des initiatives qui vont dans ce sens. La Dynamique mondiale des jeunes a saisi cet appel et présente, implémente aujourd'hui dans les communes de Mokolo, Mora et de Tokombéré le projet de responsabilisation citoyenne des jeunes dans le renforcement de la décentralisation, la redevabilité communautaire inclusive que nous avons appelé RESIRET. Le projet RESIRET est aujourd'hui dans sa phase pilote. Dans cette phase, Dynamique mondiale des jeunes met en œuvre le dialogue entre jeunes et autorités. Jeunes et autorités sont également sur notre plateau aujourd'hui pour parler de la collaboration entre les deux acteurs. Nous revenons donc après la page en couleur. Le temps pour vous de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. On se retrouve après la page en couleur. Si vous voulez, entre administration et acteurs de la société civile. Pour en parler justement, nous avons sur ce plateau le délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique du Mayo-Tchanaga. Il s'agit de M. Adamu Hamadiko. Monsieur le délégué, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de la roue. Bonjour. Nous avons également un jeune qui sera en face du délégué pour pouvoir également relever ce qu'il en est de la collaboration entre la société civile et les autorités. Ce jeune, il s'agit bien de Bokoy André. Il est président de l'association de jeunes pour le volontariat de Mokolo. Monsieur André, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la roue. Merci. Alors, nous allons commencer par vous, monsieur le délégué. Aujourd'hui, comment appréciez-vous le niveau de collaboration entre jeunes et autorités? Merci. S'agissant de la collaboration entre le jeune et l'administration et l'autorité des services publics, si je peux dire ainsi, a un peu évolué. Cette collaboration a eu un peu de changement par rapport il y a de cela peut-être 6 à 7 mois avant l'intervention de la Dynamique mondiale de jeunes qui a œuvré lors d'un atelier à l'endroit de la jeunesse qui portait sur la stratégie de communication. Nous allons y revenir sur ce qui est des activités de la Dynamique mondiale de jeunes. Maintenant, avant l'implémentation du projet RESIREP, quel était le niveau de collaboration? Avant l'implémentation de ce projet, il y avait une collaboration mais qui n'était pas bien étroite, qui n'était pas très parfaite si je peux dire ainsi. Parce que vous voyez la difficulté que nous relevons ici est que les jeunes ne cherchent pas à s'informer là où ils doivent s'informer normalement. Ils sont des préjugés, des informations qu'ils prennent comme ça dans le quartier et qu'ils ne mesurent pas un peu l'ampleur de ce que ça peut porter comme conséquence. C'est pourquoi après certaines activités de sensibilisation menées par différentes organisations, y compris également nos services, les jeunes commencent à fréquenter beaucoup plus les services publics
plus précisément, par exemple, le CMPJ, qui est une structure rattachée du ministère de la Jeunesse, les délégations également. Donc si on essaie de voir par rapport aux deux différentes activités que nous avons amenées tout récemment, s'agissant de l'enrôlement de jeunes à la carte biométrique jeune, où au départ nous avons eu 300 jeunes qui ont été enrôlés de manière générale sur l'étendue du département. La deuxième phase après sensibilisation, que ce soit des organisations de la société civile, DMJ, y compris également nos services, a essayé de booster un peu cet effectif. Nous sommes passés de 300 à près de à un effectif qui est pratiquement à 400. Donc ça signifie qu'il y a, une progression positive. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un peu de changement qui est le fruit d'une synergie d'action menée entre d'une part l'administration représentée par la délégation, par les services rattachés déconcentrés du ministère de la Jeunesse et d'autre part la société civile, le CMDC, bref les associations mouvements de jeunesse. Donc voilà ce que aujourd'hui nous allons vous prendre comme peut-être notre évaluateur de l'administration en général. À votre niveau, vous venez de faire le constat de la faible collaboration au niveau des autres administrations, l'administration, l'autorité administrative, municipale et policière, les autorités des forces de défense. Est-ce que c'est le même constat? Bon, je ne saurais effectivement véritablement parler des autres administrations puisqu'il y a des responsables qui sont concernés également. Mais ce que je puisse dire par rapport à cet aspect, si j'ai bonne mémoire, nous avons été tous autour d'une table lors d'un atelier où il y a eu un échange spécifique entre les jeunes et les différents responsables de certains services. Je parlais ici par exemple du commissariat spécial. Il y a eu des jeunes qui sont entretenus avec le représentant du commissaire spécial. Il y a également l'hôpital régional annexe de Mukolo. Il y a eu un représentant du directeur de cet hôpital qui s'est entretenu également avec les jeunes. Nous aussi, qui s'agit des CMP, des services rattachés qui sont les CMP ou bien les services déconcentrés de délégation, ont également un échange avec des jeunes. Bref, il y a une représentativité de ces structures étatiques qui ont eu à échanger de manière étroite avec le jeune. Là, c'est une activité à laquelle j'ai eu à prendre part et c'est que j'ai constaté. Il y a eu cet échange entre ces différentes, entre les responsables de ces différentes structures et le jeune. C'est pourquoi je peux dire sur ce point, sur cet aspect, je peux dire qu'il y a un changement, il y a eu une évolution positive qui, par exemple, par le passé, n'était pas très visible. Ok. Quel est votre avis sur la question, M. André? Ok. Déjà, avant le projet, la collaboration existait déjà. Mais juste que cette collaboration n'était pas vraiment fluide. Et le projet piloté par DMG a permis de renforcer les liens entre les jeunes, la société civile et les autorités administratives et traditionnelles, et beaucoup plus également religieuses, parce que tous participent et œuvrent donc pour l'avancement de la communauté. Et déjà, pour dire de façon plus claire pour l'évaluation, pouvons dire qu'il y a eu vraiment une nette évolution. Vous voyez, si par exemple il fallait mesurer d'une échelle de 0 à 10, moi je pourrais noter même 7. On peut dire qu'il y a eu vraiment cette avancée. La collaboration, vous l'avez dit tous les deux, n'était pas fluide avant le projet. Je m'interroge maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer la faible collaboration entre autorités et jeunes? Cette faible collaboration est due au manque d'informations par les jeunes, c'est-à-dire la recherche d'informations par les jeunes. Les jeunes ne cherchent pas les informations, là ils se doivent. Les jeunes ne se contentent pas également, ne sont pas curieux de lire tout ce qui est affiché sur le babillard, peut-être au niveau des différents carrefours où on a l'habitude de poster des affiches. Ils n'ont
pas l'habitude d'être curieux pour lire et de demander également à chaque service concerné, voilà telle information que nous avons appris, est-ce que c'est vrai, pour vérifier la véracité de l'information. Les jeunes, la plupart, ce n'est pas tous les jeunes, je dis, une bonne partie des jeunes ne cherchent pas l'information. Ils préfèrent plutôt entretenir des informations qui ont une origine douteuse, hein, au lieu de se rapprocher des différentes structures concernées pour demander les informations, ils ne font pas. Bon, heureusement que nous avons également constaté cela depuis. Nous essayons de faire notre mieux pour les sensibiliser davantage, et ce qui est le cas. Nous sensibilisons de plus en plus les jeunes. Il y a également d'autres organisations qui viennent en appui, qui font pratiquement la même chose. Comme je viens de le mentionner, la dynamique mondiale des jeunes, il y a autant de structures, qu'il s'agisse par exemple du CNIC, d'Adiacet et autres. Il y a quand même certains groupes, certains mouvements et associations de jeunesse qui viennent vers nous pour nous aider également à sensibiliser. Je vous rappelle que si je prends seulement la commune de Mokolo, qui a plus de 500 000 âmes, ce n'est pas facile pour un effectif aussi un peu réduit de notre administration pour pouvoir parcourir toute la circonscription de Mokolo. Lui également, c'est l'action menée par la mairie de Mokolo qui a créé toute une commission dédiée à la jeunesse. Tant qu'ils ne sont pas impliqués, il sera difficile de parler de développement. C'est pourquoi tous ces acteurs interviennent ensemble pour que les jeunes soient impliqués davantage, et ce n'est que par là que nous pouvons penser au développement de notre département de manière générale, et en particulier le développement de notre commune de Mokolo. Je me tourne vers vous, monsieur André. Selon vous, quelles sont les causes de ce fossé qu'on observe entre jeunes et administration? Vous êtes d'accord avec le délégué que les jeunes ne cherchent pas l'information? Oui, je suis en parfait. Je suis d'accord avec cette hypothèse. Mais aussi, il faudra noter que les jeunes ont peur. Ouais, peur. Il y a la peur qui anime les jeunes d'aller vers ces autorités. Et c'est ce grand fossé de peur qui fait en sorte que les jeunes ne parviennent pas à avoir les informations. Et également, les jeunes, comme il a dit, je rejoins l'idée selon laquelle les jeunes ne vont pas vers les personnes ressources qui peuvent leur donner les informations. On reste plus carré dans les « on a dit ». Or, ce n'est pas ça. Il faut, si le jeune a un problème lié, par exemple, aux questions d'emploi, qui se rapproche, par exemple, de la délégation de la jeunesse, qui a également des opportunités. Et vraiment, là, on est au bon endroit. Pour vous, c'est seulement les jeunes. Les autorités n'ont rien à se reprocher. Bon, les autorités, vous voyez, c'est chacun a son comportement. Il y a certaines autorités qui peuvent parfois, peut-être par maladresse, avoir des comportements déviants. Peut-être, ça peut exister. Mais nous pensons que les responsabilités peuvent être partagées. Mais moi, je tire beaucoup plus la ficelle du côté des jeunes. Parce que les jeunes, un jeune qui veut avancer, qui veut se développer, doit chercher l'information. Donc c'est un peu ça. Je rappelle donc que le projet Resiret, qui est implémenté, comme je l'avais dit, dans les communes de Mokolo, de Mora et de Tokombéré, vise à créer un pont entre autorités et jeunes, entre administration et société civile, pour pouvoir combattre ce fossé qui s'est créé entre les deux acteurs, un fossé qui peut occasionner l'extrémisme violent que nous avons connu et que nous connaissons toujours dans la région de l'extrême nord. On note également que le chômage participe de ce sentiment de rejet que les jeunes ont vis-à-vis des autorités. Raison pour laquelle le gouvernement a implémenté le plan triennal spécial jeunes pour pouvoir combattre ce fléau. Monsieur le délégué, pouvez-vous nous présenter aujourd'hui les avantages du plan triennal spécial jeunes? Parlant du plan triennal spécial jeunes, que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition des jeunes en vue de leur insertion socio-économique le 10 février 2016, et que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a eu cette lourde tâche
ou bien cette responsabilité de son implémentation. Voyez-vous, pour bénéficier de ce plan terrain spécial jeune, il est d'abord demandé à tout jeune. Il concerne tout jeune, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie, qui a un âge compris entre 15 et 35 ans. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faudrait que ce jeune soit inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse, qui est logé dans le CMPJ d'arrondissement, du département régional et le CMPJ de référence Yaoundé et Douala. Donc, ceci dit que si un jeune a une demande, une sollicitation de prestation, qu'il s'agisse de l'un des guichets, il n'a qu'à s'inscrire. Et puis, une fois inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse, il y a une programmation du règlement moral, civique et entrepreneurial. Généralement, ça se fait sur une période de 2 jours, la partie théorique. Et il y a également une phase pratique de 10 jours qui se solde avec un travail d'intérêt communautaire. Une fois fini, le jeune montre son business, son plan d'affaires sous l'encadrement du chef CMPJ concerné et il le dépose. Maintenant, le chef CMPJ fait la liste et envoie sous bordereau à qui de droit. Maintenant, il y a un comité de sélection qui siège et ce comité est au niveau du service du Premier ministre qui sélectionne les jeunes qui sont inscrits et déposés leur dossier. Une fois que la sélection a été faite, on envoie donc la liste au niveau de la région et la région renvoie au niveau de chaque commune ou bien de chaque département. Chaque commune rentre en possession de la liste des jeunes qui ont été sélectionnés. Maintenant, il y a toute une série de dossiers, de documents à fournir pour rentrer en possession de financement qui a été mis sur pied, dont le jeune bénéficie. Maintenant, s'agissant de ce financement, nous avons la première tranche qui va de 1 franc à 1,5 million, qui s'appelle la subvention. C'est-à-dire quand le jeune bénéficie de ça, il ne rembourse rien. C'est de la subvention. Maintenant, cette subvention n'est pas de le. Il peut s'agir de l'argent cash que le jeune reçoit, il peut s'agir du matériel qu'il reçoit, il peut s'agir du deux à la fois. Donc ça dépend de la nature de son projet. Deuxième des choses, il y a également de 1 million 501 000. Hein? Au-delà de 1 million 501 000, c'est remboursement sans intérêt. Il y a également pas de 10 millions 1, c'est remboursement avec taux d'intérêt. Vous voyez un peu ces trois composantes. Maintenant, le ministère de la Jeunesse a trouvé une nouvelle approche pour que ce financement puisse avoir assez d'impact sur la société. Comment ça se passe? Il y a deux approches. Nous avons dans un premier temps les villages pionniers. On peut installer les jeunes dans les villages pionniers, qui est un espace géographique qui regroupe les jeunes qui font dans une même filière. Dans un deuxième temps, il y a le cluster qui regroupe des jeunes, mais qui peuvent ne pas être sur le même espace géographique. Mais il y a la filière qui les lie, la filière de l'activité qui les lie. C'est ainsi, par exemple, dans le cadre de ce plan de terrain spécial jeune, le département du Mayotte-Sanaga a eu 68 bénéficiaires pour le compte de 2020. Et il y a également des dossiers qui sont en cours et nous attendons d'ici peu pour qu'on nous envoie la liste de ceux qui seront sélectionnés pour 2022. Et parmi les 68, l'arrondissement de Mokolali seul a 24, parmi lesquels nous avons le village pionnier, nous avons le bureau conseil et nous avons des jeunes qui sont installés dans le cadre de projets individuels, c'est-à-dire le financement individuel. Dans ce même processus, il y a également la carte biométrique jeune. C'est-à-dire qu'une fois inscrit, avant de bénéficier de tout ça, le jeune bénéficie également de la carte biométrique jeune qui est mise à sa disposition. C'est-à-dire qu'une fois enrôlé, on lui remet la carte biométrique jeune qui aussi présente autant d'avantages pour le jeune. C'est-à-dire tous les partenaires qui ont souscrit au préalable dans le cadre du plan terrain spécial jeune,
met à la disposition de ces jeunes certaines faveurs. Il y a une réduction, par exemple, de coûts. Si nous prenons, par exemple, le cas de dans la région de l'extrême nord de l'agence Danaï, qui a souscrit à ce, qui est partenaire également du ministère de la Jeunesse, qui a souscrit à ce projet, offre également une réduction sur le coût de transport. Donc, c'est pour dire que les choses sont en train d'être faites également au niveau de du département du Mahé-Tchanaga pour trouver autant de partenaires pour souscrire à la carte de notre jeune et que les jeunes puissent bénéficier des avantages. Donc, voilà un peu de manière ramassée le plan trinal spécial. Nous allons nous tourner vers le jeune qui va également faire son évaluation. Pensez-vous que le plan trinal est accessible pour les jeunes? Ok, déjà... Avez-vous l'impression que les autorités implémentent vraiment la vision du chef de l'État? Déjà, le gouvernement a déjà fait beaucoup d'efforts, mais sauf que beaucoup reste à faire. Vous voyez un peu? Le plan spécial triennal jeune a été mis en place. Mais nous constatons que il y a une effectivité, mais les procédures sont longues et lentes. Et le jeune vit des difficultés et il a besoin véritablement d'être soutenu avant de sortir de la tranche de la jeunesse. Donc, pour nous, nous souhaitons, si le gouvernement peut, c'est-à-dire accélérer les procédures. Et nous allons davantage nous battre pour les mobilisations, les sensibilisations, pour que l'information puisse arriver même dans les coins les plus reculés. Mais que le gouvernement fasse sa part, parce qu'il y a trop de lenteur et ça ne favorise pas, ça fragilise la jeunesse qui est en quête d'emploi. Le message est passé, l'autorité a certainement pris note. Nous allons sortir par là. Monsieur le délégué, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les actions à mener pour pouvoir pérenniser les acquis dans le cadre de la collaboration et viser à une collaboration pérenne entre jeunes et autorités? Quelles sont les actions à mener selon vous? S'agissant des actions à mener pour préserver les acquis dans le cadre de la collaboration entre les jeunes et l'administration de manière générale, ce que je pourrais dire, il faudrait qu'il y ait une continuité de synergie d'action entre les différents acteurs de la société civile, de l'administration et des magistrats municipaux également, pour qu'ensemble nous puissions nous rapprocher davantage de ces jeunes et que ce que nous demandons aux jeunes par la même occasion, c'est de chercher l'information là où elle doit être. Elle doit être recherchée, si vous me le permettez le terme, et surtout de ne pas aussi chercher la facilité en restant dans les quartiers au carrefour en train de faire des spéculations que il se pourrait que ça soit telle chose. Or, il faudrait juste se rapprocher. L'administration est là, le service public est là de manière générale. Nous tous, nous œuvrons pour la population camerounaise. Et il n'est hors de question qu'on ne puisse pas donner d'informations qui est destinée à la jeunesse. C'est à la jeunesse également de se rapprocher de nous et nous allons faire autant pour qu'il y ait cette synergie d'action et que nous parlons le même langage. Et par ricochet, nous participons à la promotion du développement ou bien de l'amélioration des conditions de vie de manière générale de tous les Camerounais. Merci. Nous nous tournons cette fois-ci vers M. André, acteur de la société civile. Pour vous, la même question, M. André, quelles sont les actions à mener dans le cadre du projet RESIREP et par les autorités pour pouvoir accentuer le niveau de collaboration? Oui, les activités que nous pouvons accentuer entre les différents acteurs, c'est déjà de continuer avec ces séries entre jeunes et autorités, parce que l'expérience a montré que c'est vraiment fructifié. On a plus d'informations. Voilà. Et en plus de cela,
il faudra également que les jeunes participent à la vie citoyenne. Parce que, vous voyez, l'État injecte beaucoup d'argent dans les investissements pour les communautés. Mais le suivi, c'est-à-dire le contrôle de citoyen de l'action publique n'est pas souvent fait parce que les jeunes se disent que ce n'est pas leur affaire. Vous voyez? Or, si les jeunes se mettent également à faire ce travail, ça permettra à ce qu'on capitalise des bonnes œuvres pour permettre le développement. Parce que tout ce que nous faisons, c'est la finalité, c'est d'avoir une cité plus bien construite avec des bonnes valeurs. Et aussi, les jeunes, si possible, multiplier des séances de travail entre jeunes et les autorités traditionnelles et les autorités religieuses. Parce que vous savez, dans notre vie actuelle, on ne peut pas s'en passer des autorités religieuses. Parce que 80% de la population sont membres d'une obédience religieuse. Voilà. Ce qui fait que c'est également des acteurs qui peuvent nous faciliter la tâche. Voilà. Et également, nous avons souvent aussi des difficultés avec les autorités des forces de maintien de l'ordre. Vous voyez, et parfois des jeunes se mettent souvent à faire des comportements déviants. Certes, et nous voulons que vraiment que ces gens-là comprennent que parfois les jeunes sont débordés, qu'ils ramènent vraiment avec douceur ces jeunes-là, qu'ils les fassent comprendre que voilà la difficulté, nous savons que c'est le cas, mais faites tout pour construire une cité de paix et une cité durable. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission qui portait sur la collaboration entre jeunes et autorités dans le cadre du projet Resiret, projet implémenté par la dynamique mondiale des jeunes dans les monts Mandara, à savoir les communes de Mokolo, de Mora et de Tokombéré. Un projet qui s'inscrit dans la lutte contre l'extrémisme violent. Au plaisir de nous retrouver très prochainement sur cette chaîne, la chaîne préférée des téléspectateurs, La Roue. Ciao.